Amida Chature Caméré est très triste en ce moment parce que son mari, le directeur de cabinet quand même de la présidence de la République de la RDC, M. Vital Caméré, est à Makala. S'il vous plaît, abonnez-vous. Et Amida doit être entendue aussi à son tour au parquet général. S'il vous plaît, abonnez-vous. La question qui revient, c'est celle de savoir, puisque tous les Congolais qui meurent maintenant en France, tout le monde dit c'est parce qu'ils étaient au concert de Fally Ipupa. S'il vous plaît, abonnez-vous. Il travaille chez les Chinois, maintenant il est malade, il n'arrive pas à respirer. Il nous a appelés, il a appelé la police est arrivée, ça fait au moins 3 heures du temps, il n'y a pas l'intervention. Dieu merci, je viens d'appeler le gouverneur de la province. Il a accepté d'envoyer tout de suite là, il a envoyé le ministre de Santé, il est en route, il arrive. Mais la police est là, la police a fait ils ont fait 3 heures du temps ici. S'il vous plaît, abonnez-vous. Personne ne m'a pourri, le monique est bien. S'il vous plaît, abonnez-vous. Bonjour. Bonjour, 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 bonjour. On a des petites news comme ça pour vous. Des petites, mais des news croustillantes. Voilà. Et déjà, on va commencer cette émission avec une mauvaise nouvelle. Le pasteur Pichu Mbiye, le frère aîné du pasteur Moïse Mbiye, est mort hier à 2h du matin à Paris du coronavirus. Ah, c'est triste, n'est-ce pas? Cette nouvelle s'est répandue sur la toile comme une traînée de poudre grâce au post sur la page de Lydie Mbiye, leur cadette. Lydie Mbiye a écrit sur sa page officielle, je vais vous lire ça. « Peuple de Dieu, c'est avec une grande tristesse et douleur que nous vous annonçons la mort de notre frère aîné, le pasteur Pichu Mbiye, qui est décédé à Paris. Un coup très dur pour notre père qui voit son fils partir si tôt. » À la fin de cette déclaration, elle décrira « Luttons tous contre ce fameux hashtag coronavirus. » Eh oui, tel un couperet, la nouvelle de la mort de Chele Mbiye endeuille la grande famille chrétienne. L'église Bethel est en deuil, la famille chrétienne en deuil, la diaspora africaine en deuil, la diaspora congolaise en deuil, la RDC est en deuil. Moïse Mbiye est inconsolable. Oui, ça, c'était la nouvelle, mais il y a beaucoup de questions autour de cette mort quand même. Il y a deux questions qui m'ont interpellée, ou sinon trois, que j'ai lues sur différentes émissions sur la toile. La question qui revient, c'est celle de savoir, puisque tous les Congolais qui meurent maintenant en France, tout le monde dit c'est parce qu'ils étaient au concert de Fally Ipupa. Loris, la Congolaise, est morte parce qu'elle était au concert de papa et de Fally Ipupa. Si tel autre Congolais est mort parce qu'il était au concert de Fally Ipupa. Maintenant, la question que les gens se posent sur Internet. Ah. Donc, le pasteur Pichu Mbiye était au concert de Fally Ipupa.
Ça c'est la première. Les Africains, les Congolais, les fanatiques de Fally Ipupa posent la question aux détracteurs de Fally Ipupa. Le frère de Moïse Mbille, le pasteur Pichu Mbille, est mort du coronavirus. Était-il au concert de Fally Ipupa? On ne sait pas. Bon. La deuxième question qui arrive aussi, les internautes, les détracteurs cette fois-ci d'Eliane Bafeno, ou ses fans, ou les fans de Moïse Mbille. En tout cas, on ne sait pas quand ils étaient dans les chambres, dans les lits, à l'église, dire je t'aime, moi non plus. Yeo yo, Mutonaponaki, yeo yo, Nazelaki, nous n'étions pas avec eux. Mais nous lisons tous sur les réseaux sociaux depuis hier par rapport à la mort du pasteur Pichu Mbille, que son âme repose en paix. Beaucoup d'internautes se posent la question de savoir est-ce que Eliane Bafeno va retirer sa plainte par compassion pour compatir à la douleur du frère, du pasteur, de son ex-fiancé Moïse Mbille. Est-ce qu'Eliane Bafeno va retirer sa plainte? Où est le rapport entre Eliane Bafeno qui a porté plainte, l'histoire est en justice, ça suit son cours, les magistrats sont encore en... Je crois qu'ils sont plus en grève puisque Vital Kamerhe a été entendu au parquet. Bref, je ne sais pas comment fonctionne la justice congolaise, mais l'affaire Eliane et Moïse Mbille est entre les mains de la justice. Mais par rapport à ce malheur qui frappe le pasteur Moïse Mbille, les gens se disent, ce ne serait pas judicieux de la part d'Eliane Bafeno de retirer sa plainte? D'autres disent encore que le diable a commencé à frapper ou Dieu a commencé à corriger les Mbille. Peut-on se réjouir de la perte d'un être humain? Peut-on se réjouir quand quelqu'un perd son père, son frère, son mari? Je ne pense pas, mais c'est ce que disent les internautes, ce qu'ils écrivent. En même temps, j'aimerais vous rappeler ici les gestes barrières contre cette pandémie. Lavez-vous les mains régulièrement, évitez les attroupements, les embrassades, saluez sans serrer la main, utilisez des mouchoirs à usage unique, toussez dans votre coude, restez chez vous, surtout, est la meilleure barrière qui soit. Respectons le confinement. Pour l'instant, la maladie n'est peut-être pas encore arrivée à Kinshasa. Mais je ne sais pas si je vais trouver cette image. Je vais vous montrer un cas qui se passe à Lumumbashi. Excusez-moi pour la prononciation. À Lumumbashi. Un malade qui est dans la rue, assis, et les gens lui parlent à plus de 3 mètres, 2 mètres, lui disant de rester là et que l'ambulance va arriver, tout ça. C'est dur, hein? Je me mange le doigt. C'est trop dur. C'est trop dur. Ça fait mal, ça. Hein? Bon. Je vais vous mettre ça. Vous allez écouter et regarder. Je ne sais pas si vous pourrez voir. Attendez, je vais vous mettre l'image. Attendez, je n'ai pas le son. L'image n'a pas de son, qu'est-ce qui se passe? C'est une vidéo de 3 minutes qui est sur Facebook, sur la page congosolution.com que vous pouvez aller regarder. Alors, le coronavirus à Lumumbashi, l'heure est grave, c'est ça le titre. Donc, ça se passe à Lumumbashi, je ne sais pas, il n'y a pas de... Voilà. Il travaillait chez les Chinois, maintenant il est malade, il n'arrive pas à respirer. Il nous a appelés, il a appelé la police,
La police est arrivée, ça fait au moins 3 heures du temps, il n'y a pas l'intervention. Dieu merci, je viens d'appeler le gouverneur de la province. Jean Kaboula Kato, il a accepté d'envoyer tout de suite là, il a envoyé le ministre de Santé, il est en route, il arrive. Mais la police est là. La police a fait trois heures du temps ici. Même pas l'intervention. Nous attendons maintenant l'intervention du gouvernement provincial. Dieu merci, je vois la jupe de notre ministre provincial de Santé, il vient d'arriver. Mais voilà maintenant, notre ami, il est là, Andy, il est reconnu dans Lubumbashi, il travaille avec les Chinois. Andy, mon ami, sois calme, hein, on va t'amener, tu vas guérir. Tu seras guéri, mon frère. Merci. Ça, c'est pas ça, Lubumbashi. Andy, tu vas où? Hein? Hôpital? Hôpital est Nîmes. Non, attends, l'ambulance est là, toi tu vas aller où? Non, Andy, assieds-toi, Andy. Andy, assieds-toi. Andy, assieds-toi. Le voir l'ambulance, on a pas vu Andy. Assieds-toi, Andy. Voilà, ça c'est un cas de coronavirus qui se passe comme ça du côté de Lubumbashi. Notre frère Andy travaille avec les Chinois et il a commencé à se sentir mal, à ne pas bien respirer, à tousser, à suffoquer, à avoir des douleurs à la gorge et des maux de tête. Il sentait la température et puis bon, lui-même Andy a pris l'initiative d'appeler la police. C'est un bon citoyen ce monsieur Andy. Voilà, vous qui doutez encore que le corona n'est pas en Afrique, il est en Afrique, sauf que sans petite dose pour l'instant. Mais quand ça va éclore, quand la chose va exploser, il va y avoir des milliers de morts si vous ne respectez pas les gestes barrières. Respectez ces gestes barrières, s'il vous plaît. Voilà, je ne sais même pas comment le dire. Amida Chatur Kamere est très triste en ce moment parce que son mari, le directeur de cabinet quand même de la présidence de la République de la RDC, M. Vital Kamere, est à Makala. Et Amida doit être entendue aussi à son tour au parquet général. Aujourd'hui, c'est le week-end, ça doit peut-être partir de la semaine prochaine, mais Amida, l'épouse de Vital Kamere, VK, doit être entendue. Alors, depuis cette histoire de l'arrestation de Vital Kamere, il y a l'homme qui a mis l'eau dans le coco, qui fait des snaps, qui comme d'habitude, on l'a toujours vu faire des snaps sur Instagram, sur Snapchat, sur Facebook, quand il mange, quand il a ses filles, quand il est dans l'avion. C'est son dada, il a toujours eu l'habitude de le faire. Mais malheureusement, cette fois, les internautes qui semblent connaître mieux les choses, les fans du chanteur, les fans de Vital Kamere, les fans de Amida ont toujours une manière, une façon à eux de transformer ou d'arranger ou de... En tout cas, ça c'est quelle mouche qui vient dans mon direct. J'espère que c'est pas Papa Vital Kamere. Donc, les gens sont en train de dire, Jibem Piana, serait-il content parce que Kamere est en prison? Ou Jibem Piana serait triste que Vital Kamere soit en prison parce que c'est quand même le beau-père de ses fils? Aza, papa, balobaron inalingala. En français, père nourricier, donc papa nourriture. Il y a Daïda na Soraya. Mais en lingala, on dit ça comment? Mobali à maman. Je vais dire ça comme ça. Est-ce que Jibem Piana peut être content du malheur de ses filles? Je ne pense pas. Parce que le mari de maman joue le même rôle que papa. Papa étant absent ou loin, n'habitant pas sous le même toit que maman, c'est le mari de papa qui prend cette responsabilité de père.
responsabilité wana, il y a l'éducation, il y a le vêtement, il y a les voyages, il y a l'école. Voilà. En ce moment, on va dire que c'est Vital Kamerhe qui le fait. Donc, je ne pense pas que Papa J. Bempiana peut être Naïsengo. Ah! Les gens ont même sorti leurs vieilles photos, la chanson que Papa Jiba a chantée pour Amida. Eh! Moukilié! Maman Amida Yako, courage. Ezama Kambo. Donc, voilà les questions. Il faut répondre par les commentaires. Vous nous dites, est-ce que le pasteur Pichumbiye était au concert de Fally Ipupa? Point d'interrogation. Est-ce qu'il était au concert de Fally Ipupa, Pichumbiye? Parce que, à Kofi Pé, à coronavirus. Deuxième question. Est-ce que Eliane Bafeno doit retirer sa plainte? Est-ce que Eliane Bafeno doit retirer sa plainte parce que Moïse Mbiye a Koufeli, grand frère? Une autre question ou un autre sujet qui soulève un peu la polémique, oui, c'est celle de savoir, donc toute la famille Mbiye, c'est les pasteurs, l'église Bethel, c'est un royaume qui se succède de père en fils. Donc c'était d'abord le grand chef Mbiye, leur père, après Bazoui Moïse Mbiye, Aza pasteur de l'église Bethel de Kinshasa. Pichumbi est pasteur de l'église Bethel à Paris. Peut-être bientôt Lidimbi est père comme un pasteur en église en Amérique. Et que Dieu vraiment aime cette famille parce que tous se servent le Seigneur, tous ont la crainte de Dieu, tous ils ont de la chance. Hein? Voilà les questions des internautes. Est-ce que l'église Bethel est un royaume où la passation de services se succède, en fait, de père en fils? Bientôt, on aura aussi les petits-fils. Comme on voit les présidents en Afrique, ils quittent, ils mettent le fils. Est-ce que c'est vraiment l'appel biblique ou c'est le choix humain, le choix d'un père pour ses enfants? Bon, j'étais pasteur quand l'église Wanezana Mualar, Batobazo Yaka, Mbongezo Kota, y a les offrandes, y a ceci. On ne peut pas prendre un papa qui a l'onction là-bas, qui n'est pas de notre famille, on va prendre seulement notre famille. Allez, Batché Moïse Mbiye. Bon, souhaiter ma condoléance. L'Afrique connaît Moïse Mbiye. Moi, personnellement, je ne connaissais pas Pichumbiye. Je ne savais même pas qu'il était pasteur. Pour moi, il n'y avait que deux pasteurs dans cette famille, leur père et Moïse Mbiye. Je ne savais pas qu'il y avait un autre pasteur. Il n'était pas vieux, hein, vous avez vu, vous voyez ces photos de toutes les façons. Le coronavirus ne choisit pas de couleur, ni de race, ni de rang social. C'est une famille qui a plein d'argent. Les Mbiye sont riches, on va dire comme ça. Mais coronavirus nanko, abomi bango moutou. Donc, ba bomi ba riche, et bongo yo, motozana seba o lobanayo, sokola maboko. Lavez les mains plusieurs fois par jour. Respectez les gestes barrières, bozo yo kati. Tsuko,
Pasteur Pichu Mbiye Azui Corona na concert a fali ya le 28 février. Wana question à l'internaute. Eliane Bafen. Bonjour petite sœur, je sais que tu étais convalescente, Bella qui malaria, maintenant ça va mieux. Dans un avenir très proche, on fera peut-être une émission avec elle. Est-ce que Eliane Bafeno doit retirer sa plainte parce que le pasteur Pichu Mbiye, qui est l'aîné, le grand frère de Moïse Mbiye, est mort? Que Dieu nous vienne en aide. Que Dieu nous vienne en aide. Je souhaite mes condoléances à la famille Mbiye, au peuple quinois et en particulier à l'église Bethel de Paris. Que Dieu se souvienne de son serviteur Pichu Mbiye. Que Dieu l'accueille dans son royaume. Sur ce, gardez le sourire et que Dieu bénisse l'Afrique.